Bon, ben là, ça y est, hein, donc Noël est passé. On a réussi quand même à se faire un bon petit réveillon, un petit apéro dînatoire pour marquer le coup. Là, j'ai défait les décorations de Noël. Hein, si vous avez vu la précédente vidéo, donc j'avais fait des petites décorations de Noël pour se mettre un peu dans l'ambiance, même si c'est vrai que c'est quand même très difficile de se sentir dans l'ambiance de Noël ici. On a beau se raccrocher aux petites décorations qu'on voit dans Papeete, on a beau essayer de voilà d'acheter un petit peu de gourmandise, de chocolat, c'est quand même assez difficile. C'est vrai, on a la famille, mais du coup, on vit un peu par procuration les fêtes, puisqu'on est constamment décalé. C'est-à-dire qu'on souhaite joyeux Noël à tout le monde. Alors que chez nous, c'est pas encore le jour du réveillon. Ensuite, on souhaite le 25, alors que chez nous, c'est que le 24. J'avoue que c'est un contexte assez particulier quand même. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est branle-bas de combat. Ça y est, on est arrivé au terme de notre location ici. Donc on change de bungalow. Voilà, donc au programme, rangement, nettoyage, valise. Il faut tout rassembler. On s'est un petit peu étalé. Ça fait 3 mois qu'on était ici. Voilà, donc il y a du boulot. Et puis, ben, on vous montrera la suite. Et alors, je ne sais pas si c'est un signe, mais juste aujourd'hui, il y a une espèce de tempête qui arrive. C'est noir partout là. Je vous montre un petit peu ce qui se prépare. Ça annonce rien de bon. Bon ben voilà, ça y est, ça tombe. Déménagement pluvieux, déménagement heureux. Alors, pour la petite histoire, en fait, normalement, ça ne devait pas du tout se passer comme ça. On devait déménager à la fin de la semaine. Mais on avait prévu aujourd'hui d'aller à Tetiaroa, faire une escapade d'une journée. Mais vu la météo, ça a été annulé. Donc, bah, du coup, c'est pas grave, c'est reporté à mi-janvier. Donc, on vous donnera des images quand on aura fait notre belle journée. Là, vraiment, on s'adapte, hein, c'est du au jour le jour, hein, tous les plans sont chamboulés toutes les 5 minutes. Par rapport au bungalow, c'était pas du tout ce qui était prévu en fait. Normalement, on était censé aller dans un appartement qu'on nous avait proposé justement à la location pendant les mois de janvier et février pour être tranquille. Mais il se trouve que la personne qui nous avait proposé ce logement nous a avoué qu'en fait il n'y avait pas internet. Et bah, sans internet, moi c'est pas possible. Parce que bah, déjà je fais des vidéos en ligne, je travaille sur internet, j'ai une activité sur internet. Et pour tout, pour les recherches, pour tout. Pour installer l'internet, il aurait fallu par exemple prendre un abonnement à l'année. Mais là, il y a un engagement d'un an. Et nous, comme on ne sait pas ce qu'on va faire la semaine prochaine ou même le mois prochain, on ne veut pas s'engager avec des abonnements fixes. Donc, la seule solution, sinon, c'était bien sûr de prendre une carte prépayée avec le téléphone, avec un minimum de gigas. Mais le problème, c'est qu'avec un téléphone, on est vite limité, surtout moi avec mes téléchargements en ligne. Au bout de 2 jours, j'ai mangé le forfait, quoi. Donc, c'était pas possible. Voilà, donc du coup, on s'est retrouvé sans solution. Je vous avoue qu'on n'a pas bien dormi parce que pendant 2 jours, on s'est vu un petit peu mal barré. On doit partir le 30 décembre d'ici.
Et impossible de trouver un Airbnb dans ce court laps de temps, puisque tout est déjà réservé ou enfin c'est très compliqué d'arriver à trouver une location en 2 jours qui soit disponible tout de suite. Pas de solution, rien. Et puis finalement, on a dit, bon, on va aller se promener, on va aller prendre l'air, on va Il réfléchir. faut toujours croire un petit peu à la chance parce que en allant boire un café dans la marina juste en bas, en discutant avec une personne très gentille qu'on a rencontrée, elle nous a dit, mais moi je connais quelqu'un qui a peut-être des bungalows justement à louer qui doivent être disponibles en ce moment. Essayez d'aller voir. Donc il nous a donné les coordonnées, c'est ce qu'on a fait. On a contacté immédiatement. Et puis, par chance, il y avait 2 bungalows, dont un qui est disponible tout de suite. Donc, là, pas le temps de réfléchir, hein, on a accepté tout de suite. Et puis, nous voilà partis donc pour cette nouvelle location. Voilà. Tout ça, c'est une histoire d'Internet. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait sans Internet? Ne serait-ce que pour vous présenter nos vidéos. D'ailleurs, en parlant d'Internet, avec l'orage qu'on vient de se prendre, il n'y a plus de connexion. Donc Didier est allé voir là-bas vite fait, au fond du bungalow, si éventuellement le répéteur n'est pas tombé avec le vent et la pluie. C'est comme en métropole, hein, le jour où il pleut, un bon film, une bonne vidéo, c'est toujours bon à prendre, ça fait passer le temps. En tout cas, c'est vrai qu'on était super bien dans ce petit bungalow, vachement agréable, avec la nature autour, au calme, voilà, vraiment, on avait l'impression d'être en vacances. Mais bon, les meilleures choses ont une fin, et puis il est temps de passer à autre chose. Peut-être des nouvelles aventures qui nous attendent. Qui sait? Pour l'instant, le projet catamaran, c'est vraiment stand-by. Là, on a laissé passer la fin d'année. De toute façon, bon, il y avait les fêtes, donc c'était pas le moment. Il n'y a aucun bateau, aucun nouveau bateau à la vente actuellement en Polynésie. On n'a rien trouvé à visiter. En tout cas, rien qui nous intéresse. C'est pas le bon moment. Il y a toujours cette législation qui n'est pas claire du tout. On a discuté avec quelques charters qui nous ont dit que même eux, en tant que professionnels, ça devenait très très compliqué pour arriver à accéder au mouillage, pour gérer les corps morts, pour gérer les restrictions, que ce soit sur Mouréa ou ailleurs. Donc pour les particuliers, c'est encore plus compliqué. Donc pour l'instant, on n'a vraiment pas envie de se lancer dans quelque chose qui est flou, qui nous mettrait en difficulté, parce que comme je l'ai déjà expliqué, c'est quand même un gros investissement un catamaran, et on n'a pas envie de faire une erreur. Voilà. Donc si c'est investir pour investir et se retrouver à ne pas pouvoir naviguer ou bloquer, nous, c'est pas le but, hein. Donc on préfère attendre, d'ailleurs c'est ce que tout le monde nous a conseillé de faire. On a discuté avec pas mal de gens qui sont dans le bateau, hein, dans les marinas. On ne va pas forcer les choses, on se laisse le temps de vivre et puis de profiter aussi, puisque on est quand même venu en Polynésie, c'était aussi pour profiter de la douceur de vivre. Donc le catamaran, on ne le perd pas de vue, on l'a toujours dans un coin de notre tête. Mais pour l'instant, ce n'est pas réalisable dans l'immédiat. Peut-être qu'avec le début d'année, les choses vont bouger, les tensions vont se relâcher un petit peu, il y aura peut-être des compromis au niveau administratif, législation. Voilà, on ne sait pas, hein, donc on se laisse un petit peu le temps d'être observateur. Et puis, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Il faut pas forcer les choses, il faut pas vouloir s'entêter. Nous, on veut surtout pas se mettre en difficulté. Coucou.
Ça y est, on vient d'emménager dans la nouvelle location. Ce sont des chalets et ça s'appelle les manguiers. Les manguiers, alors ça grimpe toujours. Il faut avoir le compas avec la voiture ou la moto. Mais on est super bien. Alors je vous montre un petit peu. Voilà, il y a deux chalets. Et le petit est devant. Et nous, en fait, on nous a attribué le plus grand qui est derrière. On est installés comme des pachas. On a rangé nos valises, on a fait un petit peu de nettoyage, on a pris nos marques. On a réussi à installer la voiture, la moto qui est derrière. Elle est bâchée parce qu'ils annoncent peut-être de la pluie pour ce week-end. Ça porte bien son nom, les manguiers. Là, elles sont à point. Elles sont plus que mûres. Il y en a partout, partout, partout. Bon, évidemment, il y en a beaucoup tout en haut. Hein. Je pense pas que je vais pouvoir grimper. Mais bon, je vais attendre simplement qu'elles tombent. Je crois que je vais pouvoir faire une cure. Alors, petite visite guidée, on y va. Voilà, voilà. Alors là, je vous dis même pas la taille de la terrasse. Le bungalow, le chalet s'appelle Tiaré. Voilà un petit peu la surface. Autant dire que on se monte pas dessus, on a de la place avec une vue en plus, si on regarde bien, sur le lagon, là-bas au fond. Voilà. Bon bah Didier qui a toujours un petit peu de bricolage à faire, comme à la maison. Donc l'entrée du petit chalet, voilà, superbe, superbe coin salon, il y a de la place largement, là avec une chambre qui normalement devait être certainement une chambre pour enfants. Ensuite, un coin cuisine, tout équipé. Et puis là, un coin, on va dire buanderie, qui continue sur des toilettes, qui continue encore sur une salle de bain. Voilà. Très sympa, très mignon, bien aménagé avec un toit. Super haut et lumineux. Et puis, notre chambre. Un grand lit, toujours un magnifique petit féfé. Alors ici, on est dans les tons bleus. Voilà, ça y est, on a rangé les affaires. Deux grandes penderies pour pouvoir s'étaler un peu. Et je suis de retour au salon. Voilà, franchement, très agréable. Je pense qu'on va être bien. Alors, je vous montre quand même. Voilà. Devant le bungalow, il y a encore un autre manguier. Bon, il est un petit peu en hauteur, hein, donc je ne sais pas si je vais avoir le courage de crapahuter là-haut pour aller les chercher. Mais par contre, si j'attends tout simplement qu'elle tombe, a priori, tous les jours, c'est comme les œufs de poule, tous les jours, il y a la récolte. Bon, voilà. Ça va, chef ? Cassé. Tranquille, ouais, on est fatigué là parce que ça nous a fait beaucoup de manip. Il a fallu qu'on range donc le premier bungalow depuis hier, ce matin. Un petit coup de nettoyage, il a fait très très chaud. Et puis tout amener ici avec la voiture, avec la moto. Ensuite tout installer, tout ranger. Petit coup de nettoyage. Là je crois que une bonne douche s'impose. On est dégoulinant. Transpirant,
Et puis une bonne nuit et c'est reparti pour un tour. Donc là, a priori, on reste ici pendant un mois à peu près. On va voir si on renouvelle ou pas, ça dépend. Et puis demain, on va aller faire quelques courses, remplir un peu le frigo. Et puis ben, demain, on sera le 31 décembre. Hein. Donc ben, voilà, on va pouvoir fêter notre premier jour de l'an dans ce nouveau chalet, boire un coup à notre nouvelle aventure. Apparemment, Didier se paie bien. Hyper connecté. Non, c'est le téléchargement. Téléchargement de pétanque sur la tablette d'un côté. Petit jeu de belote sur le téléphone de l'autre côté. C'est en mode anti-moustique par terre. Décontraction totale. Oui, j'ai oublié de préciser un petit truc. Bonne connexion Internet.